Madame Beaulac, bonjour. Bonjour. Bonjour, on est chez Princesse Auto, où il n'y a pas de princesse, pas d'auto, mais du service, mais en fait, de l'équipement et en fait, à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin à la maison. Oui, absolument. C'est vraiment un super magasin. On peut trouver plein d'outillages, plein de choses. C'est la journée d'ouverture aujourd'hui, donc on est bien excités de ça. Une journée d'ouverture, en fait, tout un succès. Ce matin, déjà, vers 7 heures, il y avait un line-up en avant, c'est-à-dire les gens attendaient cette ouverture depuis longtemps. En fait, moi, personnellement, j'avais jamais vu autant de gens à l'ouverture d'un Princesse Auto. J'imagine que c'est déjà arrivé, mais jusqu'à 2-3 heures, on a eu minimum 2000 personnes. C'est incroyable. Et en fait, il faut le dire, Princesse Auto, c'est pas une entreprise d'hier. Ça fait plus de 90 ans qu'elle existe et, en fait, était très attendue à Drummondville. Oui, absolument. On a fêté notre 90 ans cette année. Ça fait quand même quelques années là, que les gens de Drummondville rêvent qu'on soit là. Fait que maintenant qu'on est là aujourd'hui, je suis vraiment contente. Drummondville, c'est ma ville natale, donc ça me permet de revenir chez moi. En plus, effectivement, et ce qui démarque, en fait, Princesse Auto, c'est en fait aussi sa façon de faire, en fait, d'accueillir les clients, comme on le voyait ce matin, un bel accueil, mais en même temps, il y a des belles garanties. Vous offrez un service extraordinaire, il faut le dire. Absolument. Aucune vente n'est définitive sans l'entière satisfaction du client. C'est ça notre devise. Mes gens sont formés à donner un service royal. Ils ont une latitude extraordinaire pour servir le client. Fait que c'est ce qui fait notre différence. Une fois qu'on a passé l'accueil, une fois qu'on est dans un commerce, qu'est-ce qu'on va découvrir? En fait, pour ceux qui connaissent moins Princesse Auto, parlez-nous-en. Bien, on a l'outillage comme on a dans plusieurs quincailleries ainsi que l'atelier. Par contre, on a le surplus qui est toutes sortes de produits qui est intéressant aussi. On a la remorque. On peut se fabriquer un trailer avec tout ce qu'on vend, une remorque complète avec tout ce qu'on vend ici. On a le saisonnier, le récréatif, l'agriculture, ce qu'on retrouve moins dans certains magasins. Et finalement, l'hydraulique. Ça, c'est très intéressant. Ça non plus, on n'a pas ça à beaucoup d'endroits. Un magasin complet, en fait, pour le bricoleur de maison ou pour, en fait, le bricoleur d'expérience. En fait, on va trouver compresseurs, équipements sportifs. On envoie ici des vélos, des compresseurs, des outils. En fait, on fait le tour. Il faut venir le voir. En fait, je pense que pour mieux l'apprécier, il faut venir le voir. On invite les gens à venir le voir et vous êtes sur le boulevard Saint-Joseph, évidemment. Au 315 boulevard Saint-Joseph, puis on est là pour longtemps. On invite les gens à venir faire un tour. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée.